c'est une date symbolique pour célébrer la réhabilitation du kiosque à musique. Construit en 1910 par la municipalité de Corbeil pour un coût de 10 000 francs, financé par la commune grâce à un legs. 10 mètres de diamètre, réalisé en fer forgé, comme le faisait Gustave Eiffel. Après 100 ans d'existence, restauration complète, des travaux de maçonnerie, de ferronnerie, d'électricité et de peinture ont permis de redonner son aspect d'origine au monument. Le projet a été financé et initié par la communauté d'agglomération de Seine-et-Saône que je présidais. Coût total de l'opération 129 000 euros TTC, dont 20 000 euros fournis par Carlos da Silva, notre député, sur sa réserve parlementaire. Merci Carlos. Vous allez écouter l'orchestre de l'Opéra de Massy sous la direction musicale de Dominique Rouit, 42 musiciens. Et grâce au conseil départemental et grâce à la vice-présidente culture, Aurélie Gros. Avance-toi Aurélie, pour qu'on te voie. Je veux surtout dire ma modestie, dans la mesure où, à l'occasion de cette fête de la musique, l'inauguration prestigieuse d'un kiosque à musique qui fait partie de l'histoire de Corbeil-Essonne, c'est quand même l'ancien président de l'ancienne agglomération Seine-Essonne et maire de Corbeil, et puis le député de Corbeil, Carlos da Silva, qui ont eu l'idée, qui ont porté ce projet, et puis qui l'ont financé. Et si je suis ici, c'est comme une sorte de droit de suite. Je préside l'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Je n'oublie pas que Jean-Pierre Bechter en est le deuxième vice-président et rapporteur financier, que nous nous voyons très souvent. Je pense qu'on ne s'est jamais autant vu et que nous n'avons jamais autant travaillé ensemble que depuis maintenant quasiment 6 mois, et je le dis sous son regard, qui j'espère est approbateur, parce que nous avons eu rarement autant d'occasions de faire converger nos efforts. À mon tour de vous dire aussi le bonheur qui a été le mien après avoir écrit à Jean-Pierre Bechter, qui était alors maire et président de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, quand la communauté d'agglomération et la mairie ont accepté, dans une association gérée d'intérêt public, d'intérêt général, de participer ensemble à la rénovation de ce kiosque. Ce kiosque fait partie, comme beaucoup d'autres lieux qui ont été cités d'ailleurs par Jean-Pierre et par Francis, fait partie de l'histoire de Corbeil-Essonne, de Corbeil d'abord, puisque nous sommes ici sur le territoire de l'ancienne ville de Corbeil, font partie de notre identité de Corbeil-Essonnoise et de Corbeil-Essonnois, de notre histoire quasiment personnelle. Et il est vrai que moi, enfant, j'avais vu tellement de fois ce kiosque à l'occasion des différentes foires, à l'occasion des différentes manifestations qui s'étaient déroulées sur cette place. Il y avait même des balles à une époque sur cette place et avec ce kiosque. Et je le souhaitais, nous souhaitions qu'il soit réhabilité pour donner une belle image de ces allées qui, comme le disait Francis Choix, vont être elles aussi réhabilitées, qui sont au fond le trait d'union entre la ville, l'ancienne ville de Corbeil et l'ancienne ville d'Essonne. Et il était important eh bien, que cette rénovation se fasse. Monsieur le préfet, monsieur le député, nous allons couper le ruban. Ah, non. Ça y est.